Tande ak wè se de. Kontrèman ak zanmi nou Toto, ki pito pran bol, pase la ekol, moun entelijan konè, lò fò bel bol demye volè, ki chire file gantye an bisikletman, sa rele yon bel bol entelijans. Même mon fou saisit. Peuple haïtien intelligent, dit clair. Oui, c'est vrai. Peuple haïtien intelligent, belle histoire en nouvelle. Mais, si peuple haïtien intelligent, qui juste fait Haïti paradis, fin tourner de l'enfer. De l'esclavage à l'esclavage moderne, la forme change, mais l'oppression des peuples se poursuit à travers le monde. Du colonialisme au néocolonialisme, les structures d'exploitation restent et demeurent. Heureusement, l'éruption de l'intelligence collective du peuple haïtien s'est exprimée clairement à travers la révolution de 1804 et plus récemment à travers les élections du 16 décembre 1990. Liberté ou la mort. Au-delà du slogan surgit de notre ADN. Nous sommes haïtiens, haïtiennes, toujours victimes au quotidien et bien évidemment toujours assoiffés de justice et de réparation. Nous, haïtiens, haïtiennes, dignes, lucides et insoumis, nous serons toujours jaloux de notre liberté et de notre souveraineté. Dans nos veines coule le précieux sang de Toussaint Louverture, le génie de la masse et de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Honneur, respect pour nous. Honneur, respect pour nous. Si les conquêtes démocratiques n'avaient pas été emportées par les coups d'État du 30 septembre 1991 et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. Malheureusement, joue feuille tombée dans l'eau, c'est pas joual pour lui. L'enfer qui n'a pire insécurité qu'a fin détruit le pays à Jodia, c'est résultat coup d'état 2004. La vie, tout le monde menacée en bas. Insécurité contre la sociale ça. Plus que jamais, faut nous solidaire parce que souffrance non haïtienne, c'est souffrance tout haïtien. Respect à bon gens sérum patriotique pour chaque seul à frère qui victime dans l'enfer kidnapping sans parler ça. La main qui donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux face à leur maître. Pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Celui-ci, en général,
fait travailler ses méninges par sa matière grise. Il est à nos autres aussi. Par contre, intelligent ou pas, le maître vise toujours les intérêts de l'oppresseur. Les crises économiques liées aux milliards du pétro-caribé et du CIRH en disent non. Est-ce que le criminel a cravate ça est intelligent? D'abord, avant de répondre, à nous garder si il y a une différence en créole entre intelligent et intelligent. Dans rebâti Haïti avec menti pointi, menti pacoti, menti sous menti, menti qui pas fouti pas menti, si yo pas intelligent, yo propose intelligent. Déplacez-vous des bureaux ou des barreaux. Qui, c'est la majorité du monde qui n'a pas reçu. Qui, c'est la minorité du monde qui vit dans la ville. Qui, c'est à travers les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous chargeons un monde qui a un bon cerveau intelligent. Mais, toujours il y a un petit groupe qui n'est pas intelligent, mais qui est intelligent. N'en fait pas. Insécurité a fait nous tout mal. Kidnapping n'a fait nous tout mal. Blackout 24 sur 24 là, fait nous tout mal. Coup de gilet chômage là, fait nous tout mal. Flamme différent roi fait nous tout mal parce que nous tous ces frères et sœurs. Jeudi, demain, faut nous libérer en bas tout faux roi fait qui voulait caler tête nous rosse. Force peuple là indispensable
pour accouchement sécurité. Choisis continuer, quitter le planéant, c'est pire ou erreur. Accepter le peuple à outside, c'est pire ou erreur. Mandez tout le monde qui est intelligent, souple, éviter pire ou erreur ça. Se tromper, c'est possible. Et d'ailleurs, l'erreur peut être le sein maternel de la connaissance. Impliqué à la fois dans des fonctions émotionnelles et cognitives, notre cortex cellulaire antérieur a la faculté de déclencher l'alarme quand nous commettons certaines erreurs. Très souvent, quand le cerveau se rend compte d'une erreur commise, nous crions spontanément « aïe 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 » en touchant notre front instinctivement. Oui, c'est précisément là, dans la partie frontale où est localisé notre cortex cellulaire antérieur. Grâce à ce grand chef d'orchestre du cerveau, le lobe frontal, puissions-nous décrypter le langage rationnel et bien sûr, dotés d'intelligence multiple, nous pouvons tous contribuer à l'inclusion sociale et au bonheur de la jeunesse haïtienne. Chers récipiendaires, avec plaisir, je t'exhorte à relire la vocation de l'élite du docteur Jean-Maurice Mars. Toi qui souhaites rejoindre une élite professionnelle, ouvrir médecin, dentiste, infirmière, physiothérapeute, avocat, juriste, ingénieur, architecte, gestionnaire, comptable, économiste et agronome, que ta carrière soit couronnée de succès. Toi qui aspires à gravir la pyramide sociale pour y trouver le bonheur, nous t'embrassons universellement. Plus tu t'approches de ce sommet, plus tu te souviendras de tes racines familiales et sociales. Sois heureux d'être à la fois récepteur et neurotransmetteur du bonheur. Toi qui rêves de belles voitures, belles maisons, belle carrière professionnelle, belle fortune, belle fiançaille, belle lune de miel et pourquoi pas, belle histoire d'amour entraînant la dilatation des pupilles, puisse tes yeux découvrir une vue éblouissante et un avenir radieux. Pour Jean-Louis dit, Brésil champion 5 fois, Argentine 3 fois, nous-mêmes parents, dans l'éducation petite nous, bon, je dis à nous champions. Chers récipiendaires, au cours de ton cycle d'études à l'UNIFA, rien, je dis bien, rien ne pouvait éteindre ton désir ardent de revêtir la toge et d'arborer la toque de récipiendaire prêt à recevoir son diplôme. Et voilà, ça y est. La graduation est un sommet escarpé où tous les récipiendaires explorent les horizons du bonheur. Aspiration légitime. Oui, aspiration légitime à une vie meilleure. Explorons donc cette soif inextinguible à la lumière de l'intelligence humaine. Il existe une corrélation entre intelligence et quotient intellectuel. Mais
Qu'en est-il de la composante neuroscientifique de l'intelligence? Monsieur Dame Saveyo, Renézon ça Boka. Il chita exactement bon tambour à gauche. À l'image de l'intelligence linguistique, la croissance de notre potentiel cognitif dépend de plusieurs facteurs, tels que l'environnement familial, l'éducation, le milieu social, la vitesse de la conduction nerveuse, l'influx nerveux en soi, la génétique. Les variations de l'intelligence sont déterminées à 50% par la génétique. Chers disciplinaires, si au laboratoire, je souhaiterais démontrer que l'intelligence est une langue complexe dont les locuteurs sont les neurones, ici, ce matin, nous retiendrons que l'intelligence est la faculté de comprendre. Plus tu comprends, plus tu deviens intelligent. Plus tu deviens intelligent, plus tu as une soif insatiable de connaissances. Ta graduation, loin d'être une fin d'étude, t'invite à un apprentissage continu. Je dis à ou fort, demain ou vin plus fort, parce que Youmini Faris, c'est moun qui fort. Moun qui fort mérite bravo qui plus fort. Unifa déjà en haut, l'a monté plus haut pendant que même la ville plus fort. Unifa déjà en haut, l'a monté plus haut pendant la baille bousquetude pour lauréat qui n'a 10 départements géographiques pays. Le développement du potentiel cognitif requiert l'interaction humaine. Nous seuls, mais pas de bravo pour intelligence. Tandis que le faisceau arqué permet d'exprimer ses pensées en parole, la communication synchronisée entre deux neurones évoque le substrat collectif de l'intelligence. En d'autres termes, you seul doit pas manger à la longue connaissance. La transmission de cette connaissance ou influx nerveux se réalise à travers la synapse, c'est-à-dire l'espace qui sépare les deux neurones. On enregistre plusieurs millions de synapses par seconde. Ces connexions cérébrales constituent le fondement de l'apprentissage. Jusqu'à 25 ans, ton cortex préfrontal peut produire plus de synapses que nécessaire, d'où la modification en permanence des connexions cérébrales. Et cette connectivité, évidemment, révèle le quotient intellectuel. En un mot, plus tu apprends, plus ton intelligence sera lumineuse. Contrairement à Toto, qui toujours sous jouet, mon intelligent connaît tout jouet, ses jouets, mais par ses pensons à tête, par la dame. Contrairement à Toto, qui ne me prédicte ni l'amour pour le café ou pile à ne pas être fort, mon intelligent connaît toute dictée, ses dictées, mais qu'elle dictée à dictée. Exemple,
Moi aimé Haïti. Ouais. Moi fou pour Haïti. Ouais à la ligne. Ma mourir pour Haïti. Ouais. Un D à quoi c'est deux.